Bonjour à tous. Aujourd'hui, la recette que je vais vous présenter, c'est une recette pour le bain. Donc, vous connaissez sans doute les fameux bains de lait de Cléopâtre. Ben, en fait, ma recette aujourd'hui, c'est un peu le même principe. C'est un bain de lait, j'appelle ça une poudre de lait, un bain lacté, en fait. Donc, avant de débuter la recette, je vais vous faire aussi un petit rappel, dans l'atelier, concernant l'utilisation sécuritaire des huiles essentielles dans les produits pour le bain. Mais avant de débuter, je vais d'abord me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Myriam Sonnet, je suis aromathérapeute, conseillère en santé et bien-être et aussi formatrice. Donc, la recette de notre bain lacté aromatique, je vais la préparer dans un grand contenant de verre pour que vous voyez bien, mais ça fait vraiment pas une grande quantité. La recette que je fais aujourd'hui va donner l'équivalent de deux petits pots maçons de 250 millilitres. Donc, ça va être bon pour deux bains. Vous pouvez évidemment quadrupler la recette, puis ça va se conserver longtemps. Donc, on peut l'offrir en cadeau et on peut aussi les préparer longtemps d'avance. La durée de vie de votre produit, dans le fond, ça va être selon le lait en poudre que vous allez utiliser. Donc, ça va être important de regarder la date d'expiration sur votre lait en poudre, puis ça va vous donner une idée combien de temps vous pouvez conserver votre poudre de lait de bain. Puis, juste avant aussi de vous présenter tous les ingrédients, je vais faire un petit rappel concernant, on voit souvent les recettes de, moi j'aime ça varier, là. J'aime ça prendre des bains, surtout l'hiver. Puis, moi-même, je fais souvent des bains là, avec des sels d'Epsom. Mais malheureusement, on voit souvent des gens qui prennent les sels d'Epsom, qui mettent leur goutte d'huile essentielle dessus, puis ils pensent que c'est sécuritaire comme ça, que ça va avoir mélangé, puis ça va aider les huiles à se dissoudre dans le bain. Donc, un petit rappel, les huiles essentielles ne se mélangent pas à l'eau. Donc, même si vous les mettez dans vos sels d'Epsom ou dans vos sels de mer, dans vos sels de bain, c'est pas suffisant pour les disperser parce que qu'est-ce qui va arriver quand vos sels de bain vont se dissoudre dans votre eau de bain? Ben, eux, les huiles essentielles vont se retrouver à flotter à la surface, puis elles vont aller adhérer à la peau de la personne qui est dans le bain. Donc, c'est important de quand même toujours utiliser un ingrédient supplémentaire qui va aider à disperser vos huiles essentielles. Là, sous la vidéo, je vais mettre la recette complète qui est sur mon blog. Puis, vous allez avoir plusieurs idées d'ingrédients que vous pouvez utiliser pour disperser vos huiles essentielles dans le bain. Ça pourrait être un gel de douche, un bain moussant, en tout cas, bref, il y a plusieurs solutions. Mais aujourd'hui, ma recette, c'est en poudre. Donc, on ne peut pas utiliser des gels de bain, un bain moussant. Là, c'est pour ça que je vais vous parler d'un ingrédient que j'ai découvert sous peu. Donc, c'est le Natrasorb. C'est quoi ça, le Natrasorb? C'est une fécule de tapioca qui est modifiée et qui va servir justement à disperser de grandes quantités d'huile essentielle dans l'eau. Elle est vraiment conçue, cette poudre-là, pour ça. Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui a du Natrasorb à la maison. C'est même difficile à trouver. Petite parenthèse, si jamais vous savez au Québec où est-ce qu'on peut en trouver, vous me le direz. Vous mettrez ça sous la vidéo parce que moi, malheureusement, le Natrasorb, j'ai dû le commander de Calgary parce que j'ai pas trouvé plus près. Mais si vous n'avez pas le Natrasorb, c'est quoi le Natrasorb? C'est ça, je disais, c'est une fécule de tapioca modifiée. Vous pouvez la remplacer, cette poudre-là, par une fécule de tapioca. C'est juste qu'il faut s'attendre que la fécule de tapioca va disperser vos huiles aussi dans la poudre, mais un petit peu moins bien que la fameuse poudre Natrasorb qui a une capacité immense. Donc, la recette. Notre ingrédient principal, c'est du lait en poudre. Encore là, vous choisissez celui qui vous plaît. Moi, j'ai pris du lait de coco en poudre. C'est sûr que l'odeur est quand même présente. Puis j'ai des fêtes, là, j'ai vraiment écrasé à la cuillère pour être sûr qu'il n'y ait pas de petits grumeaux. Donc, c'est 65 grammes de lait en poudre. Donc, je répète, les ingrédients que je vous donne, c'est bon pour deux bains. Ensuite, on va mettre un petit peu de bicarbonate de soude, vraiment pas beaucoup, juste assez pour que ça adoucisse la peau, ça peut prévenir les démangeaisons. Vous allez voir, le bicarbonate, là, c'est vraiment celui qu'on prend en cuisine ou n'importe quel que vous. Ça fait vraiment une petite quantité, c'est 15 grammes de bicarbonate de soude que je rajoute à ma recette de poudre de bain. Ensuite, l'autre ingrédient qui va donner une petite touche crémeuse à votre poudre, c'est un petit ingrédient magique aussi, c'est du beurre de cacao. Je l'ai tout simplement râpé.
du côté fin avec ma râpe, puis ça avait vraiment fait une petite poudre. Donc, le beurre de cacao, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aider votre peau à rester hydratée. Ça va donner le petit côté crémeux à cette poudre-là. Puis, en même temps, inquiétez-vous pas, ça ne laissera pas de film gras dans votre bain. Là. Ça ne sera pas tout huileux. Comme moi, j'aime bien utiliser aussi des huiles végétales dans mon bain avec des sels de bain. Mais ça salit plus le bain. Tandis que ça ne salira pas. Il y a vraiment juste 8 grammes. Fait que c'est vraiment pas beaucoup. C'est juste une petite quantité pour donner une touche crémeuse. Donc, j'ai mis ma poudre de lait, le lait en poudre, le bicarbonate et le beurre de cacao. À part, qu'est-ce que j'ai fait à part? J'ai préparé ma poudre aromatique. Donc, je parlais tantôt du fameux Natrasorb qui va permettre à mes huiles essentielles d'être super bien dissous et mélangées partout dans l'eau de mon bain. Mais sinon, vous prenez de la fécule de tapioca. Donc, on prend 12 grammes de cette poudre-là. Moi, je l'ai faite d'avance parce que là, je ne voulais pas compter les gouttes. Puis c'est quand même assez long à mélanger. Il y en a qui vont utiliser un Ziploc pour mélanger la fécule de tapioca ou le Natrasorb avec vos gouttes d'huile essentielle. Moi, j'ai utilisé une fourchette. J'ai écrasé, puis j'ai fermé mon pot, puis j'ai secoué vraiment comme il faut pour que ça soit vraiment une poudre aromatique complète. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai utilisé 30 gouttes du mélange de doTERRA Aromatouch. Ça, c'est vraiment un beau mélange coup de cœur pour le bain. doTERRA, ils font des super beaux mélanges, mais le mélange Aromatouch, je ne sais pas si vous pouvez le voir, ça contient vraiment plusieurs huiles essentielles qui vont être là pour apaiser, détendre les muscles. Ça fait vraiment du bien. Les jambes lourdes, il y a des gens qui ont les jambes sans repos, comme on appelle, puis ils me disent toujours que ce mélange-là, c'est leur préféré, ça leur fait du bien. Donc, on met 30 gouttes dans notre poudre, on mélange. Et Aromatouch, en passant, il est sécuritaire si vous êtes enceinte. Par contre, je vous dirais, coupez de moitié la quantité d'huile essentielle dans la recette, puis il n'y aura pas de problème. Donc, on peut l'utiliser même enceinte. Puis moi, je l'aime beaucoup, ça contient, c'est beaucoup, un peu comme le spa, mais plus herbacé un peu comme odeur. Il y a vraiment du basilic, marjolaine, cyprès, pamplemousse, menthe poivrée et lavande, si j'en ai pas oublié. Donc, c'est un très beau mélange que j'aime utiliser en bain. Donc, une fois que notre poudre est vraiment mélangée, la fécule de tapioca est bien mélangée avec les huiles essentielles, on rajoute le tout. Et ça va être fini. Là, tout ce qui reste à faire, c'est de bien... Je vais vous épargner le bruit, là. Je vais le faire tout à l'heure. Mais on peut vraiment mélanger avec une fourchette, puis s'assurer que tout va être vraiment en poudre. Et ça va vous donner, comme j'ai montré au début, deux petits pots maçons, ou vous pouvez mettre dans des plus beaux pots pour offrir un cadeau. Donc, c'est vraiment quelque chose de facile à faire. Je vais mettre la recette en commentaire tout de suite après mon live, mon direct. Puis, gênez-vous pas si vous avez des questions. Puis, dans ma recette, vous irez voir les ingrédients qui sont à privilégier lorsqu'on veut vraiment disperser nos huiles essentielles dans le bain. Parce qu'il y en a plusieurs qui vont le faire, il n'y a pas de problème. Il y en a qui vont dire, ben moi, je le fais tout le temps, je mets juste des huiles dans mon sel d'Epsom, puis j'ai jamais eu de problème. C'est très bien possible, mais c'est sûr que si vous avez les jeunes enfants, ou les personnes qui ont la peau sensible, là, ça peut porter des irritations. Puis c'est, moi, je ne vous suggère pas. Soyez prudent dans votre utilisation avec les huiles essentielles. Comme ça, ça va durer plus longtemps, puis vos huiles essentielles, puis vous allez en bénéficier. Puis il n'y aura pas de mauvaises réactions, là, puis de danger. Donc, je vous remercie. Gênez-vous pas pour mettre des commentaires. Puis si vous voulez plus d'informations sur le mélange Aromatouch ou les autres produits doTERRA, bien, vous êtes bienvenue à me... m'écrire en privé. Merci beaucoup.